entre Kinshasa et Washington DC. He lived between Kinshasa and Washington DC. Entre-temps, nous allons chanter un cantique. While we're going to sing a song. Pour qu'il puisse monter en chair. Then he can come forth. Préparez tout simplement vos cœurs. Only prepare your heart. Recevez votre roi. Receive your God. Qui est la parole. Who is the word. Que Dieu vous bénisse. Amen. May the Lord bless you. Spirit. Everything that will take place, let it be your will, Lord. C'est comme notre Seigneur a dit, it is our Lord said, que ta volonté soit faite. May your will be done. Nous sommes ici, Seigneur. We are here, Lord. C'est pour écouter ta parole. It's for to listen your word. Il n'y a rien de hasard. There is nothing random. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Open your hearts to whatever you want to tell us. Prends la prééminence. Take over everything. Soumets ton esprit à tout esprit à ton grand esprit. Then put your spirit to your spirit. Reçois l'honneur, reçois la gloire.
Receive honor and glory. Nous te le demandons ainsi au nom de notre Seigneur Jésus. We ask and pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Nous allons lire. We are going to read. Dans Luc chapitre 18. In the book of Luke chapter 18. On va commencer au verset 18. Luc 18, 18. Luke 18:18. Un chef interrogea Jésus et dit. Un chef interrogea Jésus et dit. A ruler asked him. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Jésus lui répondit. And Jesus said to him. Pourquoi m'appelles-tu bon? Why do you call me good? Il n'y a de bon que Dieu seul. No one is good except God alone. Tu connais les commandements. You know the commandments. Tu ne commettras point d'adultère. Do not commit adultery. Tu ne tueras point. Do not murder. Tu ne dérobéras point. Do not steal. Tu ne diras point de faux témoignages. Do not bear false witness. Honore ton père et ta mère. Honor your father and mother. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. And he said, all these I have kept from my youth. Jésus ayant entendu cela lui dit. When Jesus heard this, and he said to him. Il te manque encore une chose. One thing you still lack. Vends tout ce que tu as. Sell all that you have. Distribue-le aux pauvres. And distribute to the poor. Et tu auras un trésor dans les cieux. And you will have treasure in heaven. Puis viens et suis-moi. And come follow me. Que le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless the reading of the word. Vous pouvez vous asseoir. May be seated. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Et je remercie le pasteur Faustin. I'm so thankful to Pastor Faustin. Pour m'avoir laissé sa chair. For letting me to be behind this pulpit. Je sais que il a confiance en moi. That means he has confidence in me. C'est comme le frère Jean-Jacques l'a dit hier soir. As brother Jean-Jacques said yesterday. Quand on te donne la chair, when they give you this pulpit, on te respecte. That means they respect you. Et le prophète nous a dit. And the prophet said. Quand vous êtes invité quelque part, when you're invited somewhere, soyez assez gentleman. Just be a gentleman. Yes. Bon, je le remercie encore. I thank him once more. Que le Seigneur puisse le bénir davantage. May the Lord bless you richly. Que le Seigneur vous bénisse tous. And may the Lord bless you all. Et je crois que nous sommes en train de parler de Dieu. And I believe we are talking about God. Nous ne sommes pas venus ici ce matin. We are not here this morning. Pour nous regarder. To look each other. Nous sommes venus. But we're here. Pour écouter. To listen. Quelque chose qui va nous encourager. Something that will encourage us. Comme le prophète. Le prophète nous le dit. As the prophet said. Nous allons à l'église. We go to church. Pour devenir. To become. Des meilleurs citoyens. The best citizen. Des meilleurs papas. The good father. Des meilleures mamans. Good mother. Et pour agrandir. And to grow notre compréhension de la parole de Dieu. Our understanding to the word of God. Nous venons de lire dans la parole de Dieu. We read in the word of God. C'est une histoire qui est passée. It is a story that has passed. Et cette invitation. And then this invitation. Elle est actuelle. Is actual. Amen. Je vais m'inspirer du message du prophète. I'm going to be inspired by the message of the prophet. J'aime beaucoup ça. I love it. Je préfère prendre
ce que le prophète a prêché. Allow us say what the prophet preached. Et commenter là-bas. And give some feedback. Comme ça, with that, je suis à l'abri. I am in the right path. Quand vous venez, when you come, je vous montre. I show you. Et voilà là où j'ai pris. And you show, this is where I found it. Je sais que dans ce temps, because I believe in this time, Dieu a parlé au prophète. God spoke to the prophet. Il n'a pas parlé, il m'a pas parlé. He didn't talk to me. Et ce que je dois faire, and what I have to do, c'est de répéter, is to repeat, ce qui a déjà été dit au prophète. What has been said to the prophet. Il a prêché un message le 1er juin 63. He preached a message the 1st June 63. Intitulé, called, viens et suis-moi. Come and follow me. Et le prophète nous dit, and the prophet says, c'est la meilleure invitation. It is the best invitation que le Seigneur, that the Lord, puisse adresser, as I said, à chacun de nous, or has given to each one of us, ce matin, this morning. Frère, je suis content. Brother Eric, I'm very happy. Chez toi, je suis passé, je t'ai pas vu. I went to yours and I didn't see you. Je t'attendais. Quand on m'a dit que tu venais aujourd'hui, j'étais content. When they told me that you're coming today, I was very happy. Nous aurons beaucoup de choses à parler. We'll have so many things to talk about. Wonderful. Je crois que je peux quand même vous présenter ma femme. I think I can also present you my wife. Parce que vous me voyez, ça c'est ma femme. You can see me, you can see my wife. Comme le pasteur Faustin a dit, as Pastor Faustin said, nous sommes à cheval entre Kinshasa et Washington. I live between Kinshasa and Washington. Mais plus de temps à Kinshasa. But most of my time in Kinshasa. C'est là où nous avons l'église. That's where we have a church. Sur une année, on peut peut-être passer 10 mois à Kinshasa. Like in a year, we can spend almost about 10 months in Kinshasa. 2 mois à Washington. 2 or 3 months in Washington. Ok, maintenant, now, avec votre permission, je crois que nous pouvons continuer. With your permission, I think we can move forward. N'attendez pas que je vous amène une nouvelle révélation. Do not wait for me to bring you a new revelation. Je vais faire comme le prophète l'a dit. I will say as the prophet said. Quand il a prêché le message. When he preached the sermon. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Why are we not a denomination? Mais si vous lisez au paragraphe 144. When you read in paragraphs 144. Il dit. He says. Ce n'est pas moi qui ai écrit. It is not who has written it. Ma responsabilité. But my responsibility. C'est de vous montrer. Is to show you. Où ça se trouve. Where it is. Amen. Parfois nous commettons l'erreur. Sometimes we commit mistakes. De nous fâcher contre le prédicateur. To be angry against preachers. Non, le prédicateur est là. The preacher is there. Seulement pour vous montrer où c'est écrit. Where it is. Just to show you where it's written. Et le prophète dit. And the prophet says. La façon de vivre cette parole. The way of living this word. C'est entre Dieu et vous. It is between you and God. Je vais seulement vous montrer. I will only show you what he says. Et à vous d'en faire ce que vous voulez. And to that now will depend on you. Parce que, because, si je ne vous le dis pas, if I don't tell you, le Seigneur va me tenir responsable. The Lord will keep me responsible. He will ask me. Pourquoi tu n'avais pas dit? Why did you not say it? Alors, then, nous allons faire parler beaucoup plus le prophète. We will let the prophet speak. Vous savez quand nous disons le prophète. You know when we say prophet. Pour notre temps, for our time, c'est William Marion Branham. It is William Branham. Pour le temps passé, for the past time, nous allons dire, we will say le prophète Isaïe. The prophet Isaiah. Le prophète Amos. The prophet Amos. Donc, quand nous disons le prophète, when we say the prophet, c'est William Marion Branham. It is William Marion Branham. Amen. Amen. Je regarde. When I look, je crois on ne peut pas être une cinquantaine. I don't think we are among 50. C'est ça. On n'est pas une cinquantaine. We are not almost 50. Mais quelqu'un qui n'est pas spirituel assez. But someone who's not spiritual will say. Quand il entre. When he enters. Il regarde. And he look around. Et il va à côté. Then go aside. Il trouve une dénomination. Then find a denomination. Où il y a des miracles. When there are miracles. Il dira le Seigneur est là. And then he said the Lord is there. Mais si on est spirituel. Oh, when we are spiritual.
On se demande qu'est-ce qu'on est en train de dire. We will say, what are they saying? Tous nous connaissons l'exemple de l'Eunuque Éthiopien. Well, we all know the example of the Ethiopian. L'Eunuque Éthiopien. Il est allé à Jérusalem. Il est allé à Jérusalem. He went to Jerusalem. C'est une très grande convention. It was a big convention. Mais il est reparti de là. Then when he left, il n'avait rien. He didn't receive anything. En bout de route, On his way, le diacre Philippe, the deacon Philip, le trouve. Found him. Il était en train de lire Ésaïe 53. He was reading Isaiah 53. Parce que Dieu connaissait, because God knew, que le nix était sa semence. Okay. Une semence prédestinée. He was a predestinated seed. C'est pourquoi il a envoyé. That's why he sent Philippe. Philip. Et Philippe lui pose la question. Then Philip asked him a question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Do you understand what you're reading? Comment puis-je comprendre? And then ask how can I understand if there is no one? Me l'expliquer. Explain it to me. Philippe lui a expliqué. And then Philip starts to explain it. Il dit, il y a de l'eau. He said there is water. Il s'est fait baptiser. And then he go baptized. Est-ce que nous pouvons retenir? What can we take from there? À la convention, il y avait des multitudes de gens. In the convention, there were so many people. Il n'a rien eu. He didn't receive anything. Mais à deux, but between two people, il a eu la vie éternelle. He received eternal life. C'est ce que le prophète nous dit. That's what the prophet says. Satan aime compter le nombre. Like to count the number. Yes. Mais Dieu, but God, pèse, is waving, he weighs. Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ? What should we do to this Jesus called Christ? Vous pouvez lire ça dans paragraphe 96 à 97. You can read it from paragraphs 96 to 97. Vous verrez le prophète nous dit. You will see the prophet says. Et puis il nous dit aussi dans le message. And he also say in the message. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. And do a service to God and without doing God a service without His will. Doing God a service without His will. Amen. Si vous lisez, when you read it, en paragraphe 105, in the paragraph 105, he says, vous pouvez être un pasteur de 5 personnes. You can be a pastor of 5 people. Cela ne vous rend pas un petit pasteur. That doesn't make you a small pastor. Mais ça dépend de ce que vous donnez autour. That depends on what you are giving to us. Donc tout ça c'est pour vous dire mes frères, mes sœurs. So that means that will bring me to tell you my brothers and sisters. Ne regardez pas au nom. Do not look at numbers. L'évangile Louis. The gospel. Glows. Mais Hollywood. But Hollywood. Il y a des éclats. There is shine. Quand vous trouvez beaucoup d'éclats. When you see shine. Faites attention. When you see shining, be careful. Et le prophète dit. And then the prophet says, actuellement, actually, l'église est séduite par le monde. The church is deceived by the world. Yes. L'église veut faire comme le monde. The church wants to do like the world. Mais rassurez-vous, mes frères, assure my brothers and sisters, nous n'aurons pas de succès comme le monde. We will not have success as the world. Amen. Jésus-Christ en prêche. Jesus was preached. C'est lui-même Dieu. He is God. Et l'église était composée de 12. And then the church was composed by with 12 people. Et actuellement, mais il y avait des morts. But there were a demon among Judah. Tout ça c'est pour vous dire, mes frères, mes sœurs. All is to tell you, my brothers and sisters. Faites attention. Be careful. Ne regardez pas au bâtiment. Do not look to the building. Ne regardez pas au nombre. Do not look to numbers. Ne regardez pas comment les gens s'habillent. Do not look the way people are dressing. Ne regardez ce qui est donné. But look at what is given. Si vous pouvez aussi lire le pourquoi la petite Bethléem. If you can also read why a small Bethléem. C'est un message de 58. It is a message preached in 58. Le prophète nous dit. The prophet says. Naomi a commis une erreur. Committed a mistake. Elle était à Bethléem avec son mari et ses deux fils. She was in Bethlehem with his husband, with her husband and the two sons. Il y a eu une famine. They were
Famine. Anger. Mais là, chez les Moabites. But there to the Moabites. Il y a beaucoup à manger. There is nothing to eat. There is many to eat. Ils sont allés là-bas. And they went there. Résultat? Well, what was the result? Le mari. The husband. Les deux fils. The two sons. Sont morts. They died. Mais Naomi est rentrée. Naomi went back. Avec Ruth. With Ruth. C'est toute notre histoire. That's another story. Mais ce que je veux dire. What I'm going to say. Le prophète nous dit au paragraphe 61 et 62. The prophet say from the paragraph 61 to 62. Il dit. He says. Ce que Naomi a fait. What Naomi did. Elle avait abandonné l'église de véritables croyants. She abandoned the church of true believers. Elle est allée là-bas. And she went there. Chez les incrédules. To the unbelievers. Et voilà les résultats. And that was the result. Il dit. N'abandonnez pas votre église. Your church. Soyez là où vous êtes nourri spirituellement. Stay there where you are fed spiritually. Si vous allez ailleurs, if you go somewhere else, vous allez mourir. You will die spirituellement. Spiritually. Les gens disent non, mais il a quitté, mais il a prospéré. Mm. People say he left, but he prospered. Est-ce que Dieu change sa pensée quand on a son avis à propos de sa parole? Does God change his mind à propos de sa parole? About his word. Si vous lisez là-dedans, if you read down there, le prophète dit, the prophet says, la prospérité, prosperity, ce n'est pas le signe que Dieu vous a envoyé. That's not a sign that God accepts your request. Et dans l'exposé de cette année de l'Église, and in this message exposition of the seven church of ages, il dit, he says, le ciel clair, and the heaven is clear. Ce n'est pas que Dieu. That doesn't mean that God vous a agréé. Accepted your request. Brumeux. Ce n'est pas qu'il vous a maudit. Funky is not that he cursed you. Il sait ce qu'il fait. He knows what he's doing. Peut-être qu'il vous maintient dans cette situation. Because he's keeping you in that situation. Parce qu'il sait que si vous donnez des millions. Because he knows if he gives you millions. Vous n'allez pas le suivre. You won't follow him. Amen. Nous le savons tous. We all know it. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme le prophète disait. As the prophet was saying. Même si je savais. Even though I knew. Même m'envoyer en enfer. That he sent me to hell. Je serais content. I will be happy. Parce que c'est ça sa volonté. Because that's his will. Amen. Maintenant. Now. Nous savons le prophète nous dit. We know that the prophet says. Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. God doesn't make us a half believer. Il ne fait pas de demi-prédicateurs. He doesn't make half preachers. Quand il appelle quelqu'un pour prêcher, when he calls someone to preach, il va l'équiper. He will take care of him. Amen. N'allez pas vous demander mais comment je vais faire? And then you don't need to ask yourself how will I do it? He will take care of him. Je pourrais lire. I'm going to read. C'est dans le message une délivrance totale. In the message, a total deliverance. Le 12 juillet 59. The 5th of June, the 12th of June 59. Prenez le paragraphe 48 et 49. Paragraphe 48 et 49. Je peux lire en français. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Now, when Moses was called by God, he was a total, complete prophet. Quand Dieu
Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, when God sends a man to do anything, il l'équipe complètement. He completely equipped him de tout ce qu'il lui faut. With everything that he has need of. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, if God calls a man to be a preacher, il met quelque chose en lui. He puts something in him. Ce qu'il faut pour prêcher. To preach, yes. To preach with. Si il l'appelle à être un docteur, if he calls him to be a teacher, il met quelque chose en lui. He puts something in him. Ce qu'il faut pour enseigner. Teach with. S'il appelle à être un prophète, if he calls for him, il met quelque chose a prophet, en lui. He puts something ce in qu'il faut pour voir des visions. To see vision, et pour être un prophète. To see vision and to be a Dieu prophet. Équipe toujours complètement son homme. God always completely equipped his man. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. And that's just what he done when he sent Moses into Egypt. Il a élevé d'une certaine façon. He raised him up in a certain way. Il l'a instruit d'une certaine façon. He schooled him in a certain way. Il l'a modelé. He molded him. L'a formé. And made him. Et l'a façonné. Fashioned him. Et après qu'il avait promis à Abraham des centaines d'années auparavant. And after he had promised Abraham 100 years before qu'il délivrerait les gens, that he will deliver the people. Alors il avait prévu qu'il formerait Moïse. Then he had in mind that he would make Moses. Exactement comme Moïse l'a été. Just the way Moses was made. Moïse était un prophète complet. Moses was a complete Amen. Prophet. Et alors puisqu'il a été un prophète complet, and then being a complete prophet. Tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Just like you, if you are Amen. A Christian, God not make a halfway Christian. Dieu fait des chrétiens complets. God makes complete Christians. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. God don't make halfway preachers. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. But the preacher can be halfway. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. And God makes his children Christians. Mais parfois ils sont des demi-chrétiens. But sometimes they are halfway Christians. Ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. But it's not God's intention to be them ce, for them to be that way. Leur propre voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. It's their own way to go mixed up with the plan of God for their life. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. And that's what they make them that way. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens. God don't want them to be halfway Christian. Ou des demi-prédicateurs. Or halfway preachers. Faisant des compromis de part et d'autre. Compromising on either side. Il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. He wants them to completely stand in the breach. C'est notre prophète qui nous parle. This is our prophet speaking. Nous ne pouvons pas être des demi-chrétiens. We cannot be halfway Christian. Je me réfère à ce que le pasteur, notre frère Jean-Jacques a dit hier soir. I'm referring to what Pastor Jean-Jacques said yesterday. Le problème. The problem. Nous ne savons pas qui nous sommes. We don't know who we are. Voyez le problème. That's a big problem. Si vous dites que vous êtes chrétien, if you say you are a Christian, sachez bien, you need to know que vous êtes un ambassadeur. You are an ambassador. Mm. Et tout ce que vous ferez, and everything that you will do, selon la volonté du Seigneur, according to the will of God, Dieu va endosser ça. God will grant it. Il le dit bien dans le roi rejeté. He says it well in the rejected king. Si vous êtes réellement chrétien, if you are truly a Christian. Si vous êtes un demi-chrétien, if you are halfway Christian, de le dire, as you read, that's your problem. Si vous savez bien que vous êtes un chrétien, and if you know well that you're a Christian, j'ai écouté un cantique ici. I heard a song here. Tout, chaque ligne, chaque verset. Everything, all paragraph. C'est pour vous. It is yours. Donc toutes les promesses. All the promises. C'est pour vous. It's yours. Et le prophète dit. And the prophet says. Passez le temps. Spend your time. À chercher dans la Bible. To seek in the Bible. Vos promesses. Your promises. Mais. But. Il y a aussi autre chose. There is also another thing. Dieu nous dit. God said to us. Par la bouche de notre prophète. Through the mouth of our prophet. Que le péché est péché. A sin is sin. Mm. It is sin. Le péché ne restera jamais impuni. Mm-hmm. Sin will never be unpunished. Il sera puni. He will be punished.
Que ça soit dans l'individu, it can be to individual, que ça soit dans une famille, or to a family, le péché est toujours puni. Sin, it is always punished. Le prophète dit, le prophète, hein? Le filtre de l'homme qui réfléchit. We can read the prophet in the message, a filter of a man qui réfléchit au paragraphe 86. A filter of a thinking. A thinking man's filter. A thinking man filter. Paragraphe 86. C'est un message du 22 août 65. Et si vous suivez bien, c'est l'avant-dernier message que le prophète a prêché au Branham Tabernacle. Parce que le dernier message qu'il a prêché, c'était le 28 août, le 29 août 65, l'éden de Satan. 22 août au soir. 22 août 65, paragraphe 86. Vous pouvez lire. Pendant que vous cherchez, je peux lire. Le filtre d'un homme qui réfléchit. A thinking man filter. Paragraphe 86. In a paragraph 86, he says this. Ce n'est pas pour manquer d'égard envers qui que ce soit. No disregarding anybody. Je ne parle jamais personnellement de quelqu'un en particulier. I never speak personally about any person. Mais c'est du péché dans l'église. But it's a sin in the church. Soyez mes témoins de cela. You bear me record of that. Je n'ai pas dit mademoiselle untel, ici ou cela. I didn't say miss so and so and ou so. Ou monsieur untel, ou le révérend untel, ici ou cela. Or Mr. so and so, or Reverend so and so. Non, monsieur. No, sir. Je dis que le péché est le péché. I say sin is a sin. Que ce soit dans ma famille. If it is in my family. Que ce soit en moi. If it's in me, it's in me. Que ce soit à n'importe qui. It's in whoever it is. C'est toujours le péché. It's still a sin. Ce n'est pas l'individu. No, as an individual. Je ne parle pas contre les individus. I don't speak against individuals. Je parle contre le péché. I speak against sin. Et que ce soit moi ou n'importe qui. I don't care if it's me or whoever it is. Peu importe. Or whoever it is. Quand quelqu'un s'engage à travers le filtre de Dieu. Start through God's filter. Tout péché lui bloquera tout de suite le passage. Any sin will stop you right there. Si vous voulez vous engager dans la voie de Dieu. If you want to be in the way of God. Le péché ne vous laissera pas passer à travers le filtre d'un homme qui réfléchit. The sin will not let you go through the thinking man filter. Le filtre d'un homme qui réfléchit. And the thinking man filter, the prophet says. C'est sa parole. It is his word. Vous pouvez passer à travers le filtre dénominationnel. You can go through the thinking man filter of denomination. Mais le filtre de Dieu, vous n'allez pas passer. But you will not go through the filter of God. Amen. Vous voyez mes frères? You see my brothers? Vous voyez mes sœurs? You see my sisters? On ne parle pas contre les individus. We are not talking about individuals. C'est l'erreur que nous commettons souvent. That's the mistake that we commit quand sometimes. Quand un prédicateur est à la chaîne. When a preacher is on the, beyond the pulpit. Il parle. He speaks. On dit mais pourquoi on lui a dit ce que je fais? Why is he has to tell him what to do? Donc vous voulez imiter le Saint-Esprit. You want to limit the Holy Ghost. Parce que le Saint-Esprit enfin, il voit. Because the Holy Ghost sometimes sees. Et il parle. And speak. Au prédicateur. To the preacher. Pour vous mettre en garde. To let you know. Parce que le prophète nous dit. Because to warn you, the prophet says. La manière la plus élevée. The best way. Que Dieu ait choisi pour donner sa parole. The best way that God chose to give His word. C'est pas la prédication. It is through the preaching. No. Donc quand on parle, when we speak, ce n'est pas contre vous. It's not against you. C'est contre le péché. It is against sin. Amen. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous sommes tous ici. We are all here. Si on voit quelqu'un venir vite en courant, if we see someone coming here quick running, he says, on va attraper un voleur. We are going to catch nous voyons la police ici. On va prendre un voleur. And then there is the police coming. We are going to catch a thief. Et quand on voit quelqu'un s'agiter, and when we see someone agitated, c'est qu'il a le problème. That means there is something wrong.
N'est-ce pas? Amen. Parce que si vous voyez la police, vous vous l'avez cherché. When you see the police, you haven't done anything. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher? Then you were just questioning yourself, what is he doing here? Mais quand on voit le policier venir, but when we see the police coming here, frère, and you see someone saying, oh, brother, close the door. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui est là. That means there is something wrong. La même chose quand le prédicateur parle. The same thing when the preacher speaks. Et vous, vous êtes là. You are there. Et vous arrivez, oh non, mais pourquoi on a parlé de moi? And then you will come and say, why are they talking about me? Tu m'aurais fait le problème. Ok. Donc vous voyez? You see? Donc le prédicateur est là. The preacher is there. C'est comme un médecin. It is like a doctor. Et il fait le diagnostic. He do the diagnostic. Il vous écrit l'ordonnance. Then wrote a prescription. Par l'ordonnance venant de sa tête. Through the prescription of his head. Il va dans le grand livre. And then he go to the big Bible book, which is the word. Et il vous donne. And then give it to you. Maintenant, on va parler un peu. Viens et suis-moi. Now we're going to speak a little bit. Come and follow me. Quelques 30 minutes. Viens et suis-moi. Only for half an hour. Nous lisons l'histoire d'un jeune homme. We are reading a story of a young man. Il va voir Jésus. He went to see Jesus. Il dit, he said, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? What do I have to do to receive the eternal life? Et regardez à Jésus. And look to Jesus. Il dit, he said, il commence à lui rappeler les commandements. And he starts to remind him all the commandments. Parce qu'il y a des gens qui disent, and because there are people saying, moi, I, je respecte les 10 commandements. I do respect the 10 commandments. Mm. Je n'ai pas de problème. I don't have any problem. Mm. Ce jeune homme, this young man, quand Jésus lui a dit, when Jesus told him, respecte ton père, respect your father, ne commets pas l'adultère, do not commit adultery. Il dit, j'ai fait tout ça. I've done all of them. Depuis ma jeunesse. Since I was young. Il a dit tout ça. He said all of it. Mais il a vu qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. But he just noticed there was something missing. La vie éternelle. The eternal life. Amen. Et quand il a regardé, and when he looked around, il a vu, he saw, il peut avoir la vie éternelle, he can have eternal life, à travers Jésus Christ. Through Jesus Christ. C'est comme ça qu'il est allé le voir. That's why he went to see him. Et Jésus-Christ lui répond bien. And then Jesus answered. Il avait besoin de la vie éternelle. He wanted eternal life. Il lui dit. He said unto him. Va. Go. Vends tout ce que tu as. Sell everything that you have. Viens. Come. Et suis-moi. And follow me. Et quelle était la réaction du jeune homme? Now what was the reaction of the man? Il a suivi Jésus. He followed Jesus. Non. Il ne l'a pas suivi. He didn't follow him. C'est l'attitude de beaucoup d'entre nous. That's the attitude of each one, some of us here. Mm. Va tout ce que tu as. Go and sell everything that you have. Va tout ce qui te lie au monde. Sell everything that links you with the world. Viens, suis-moi. And come and follow me. Là, ça devient un problème. That becomes a problem. Est-ce que je dois abandonner mes amis? Do I have to forget my friends? Est-ce que je dois abandonner mon orgueil? Do I have to forget my pride? C'est ça. That's the problem. Alors, nous pouvons tirer 3 pensées de cette prédication du prophète. We can take our 3 thoughts in the sermon of the prophet. Premièrement, the first one, le prophète nous dit, the prophet says, vous allez suivre quelqu'un. You will follow someone. Chacun de nous, each one of us here, on a un modèle. We have a model. Vous allez suivre quelqu'un. You will follow someone. Mais il nous dit, but he says, soyez sûr. Be sure. Que celui que vous suivez, that whom that you're following, amen, suit Jésus Christ. Follow Jesus Christ. Amen. Parce que si vous suivez une mauvaise personne, if you follow a wrong person, vous allez échouer. You will fail. De deux, second, il s'adresse surtout aux jeunes. He's talking to young people. Et puis, vous bâtissez votre jeunesse. He said you are building your youth. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. You are preparing your personality. Your personality when you are young. N'attendez pas d'avoir 40 ans, 50 ans. Do not wait when you reach 40 or 50.
Parce que le prophète lui-même va le dire. Because the prophet will say. Il dit 86%. He said 86% de conversion. Of conversion. C'est fort avant 21. Is before 21. Amen. Amen. 86%. 86%. Regardez. Look now. Il dit après cet âge. He said after the age. C'est toujours possible. It is still possible. Mais ça devient difficile. But it becomes difficult. Vous allez me dire, mais quand le prophète est allé à la sixième dimension. You will say when the prophet reached the sixth dimension. Il a trouvé une jeune femme. He found a young woman. Et qui criait. And then they were shouting for Brother Branham. Et quand on lui a dit, est-ce que tu la connais? And then when they said to him, do you know me? Mais do you know him? Do you know her? He said no. Quand il avait 90 ans. And then they brought him when she was 90 years old. She was born to Christ. Donc, vous voyez, you see, c'est surtout quand on est jeune. It is when you are young. Troisième point. The third point. La vie éternelle. The eternal life. Ne s'obtient pas par héritage. It is not taken by heritage. Heritage. Amen. C'est Jésus Christ. It is Jesus Christ qui donne la vie. Amen. Who gives eternal life. Amen. 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 On peut vous laisser. They can leave you. Des maisons, houses, des voitures, cars. Mais la vie éternelle. For eternal life. C'est Jésus Christ. It is Jesus Christ. C'est pourquoi le prophète nous dit. That's why the prophet says. Dieu n'a pas de petits enfants. God doesn't have a small children. Il n'a que des enfants. We only have children. Amen. Vous n'allez pas vous reposer sur la foi de votre père. You cannot rise in the faith of your fathers. Ou sur la foi de votre mère. Or the faith of your mother. Vous devez passer aussi par où est passé votre père. Amen. You also have to go through what your father and your mother went through. Donc c'est trois pensées que nous verrons dans cette petite prédication. This is the three thoughts that we are going to talk about in this sermon. Viens et suis-moi. Come and follow me. Invitation. Is a good invitation. Et le prophète nous dit. And the prophet says. Sachez bien. You need to know. Votre premier pas. Your first step. Quelqu'un vous conduit. Someone leads you. Et votre dernier pas. Your last step. Quelqu'un vous conduit. Someone leads you. Amen. Comment? How? L'enfant quand il marche. A child when he's walking. Quelqu'un, maman doit tenir la main. A mother has to hold his hand. Et quand vous êtes dans un cercueil. When you are in the cough. On va vous conduire. They will lead you too. Vous êtes dans un cercueil, vous n'avez plus de choix. When you are in the cough, you don't have any choice. On va avec vous. They will take you and go with you. Lisons le prophète. Let's read amen, the prophet. Amen. 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 Viens sur moi. Come and follow me. Nous avons assez parlé, on va un peu laisser le prophète parler aussi. When we talk now, we're going to let the prophet speak. Je commence par le paragraphe 30. Paragraph 30. Il nous dit. He says. Je pense que cette parole « Viens, suis-moi », ce serait le meilleur conseil que je pourrais donner. C'était le message du 1er juin 63. Paragraphe 30. Je pense que cette parole « Viens, suis-moi », ce serait le meilleur conseil que je pourrais donner. I think the word « Come, follow me », that would be the best advice I would give if I was talking. Que je parle à 10 000 jeunes ou que je parle juste à ceci. If I was talking to 10,000 kids or if I was talking just. C'est un ordre et c'est, je pense, l'occasion la plus belle qui ait jamais été offerte à quelqu'un. It is a command and the greatest thing that I think that was ever offered anybody. Et particulièrement à une jeune personne. And especially to a young person. Suis-moi. Follow me. Vous allez suivre quelqu'un. You are going to follow somebody. Souvenez-vous bien de ça. Now just you can remember that. Vous allez suivre quelqu'un. You are going to follow somebody. Et dans votre manière de suivre cette personne. And the way you follow the person. Assurez-vous de savoir qui cette personne la suit. Be sure that who this person is following. Une fois Paul a dit. Paul one time said. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Be followers of me as I am of Christ.
En d'autres termes, in the other words, suivez-moi de la même manière que je suis Christ. Just as I follow Christ. C'est ça. Mm-hmm. Vous allez suivre quelqu'un. You will follow someone. Savoir, il a quelle influence? You need to know what influence that he has behind. Ne faites pas comme les pharisiens. Do not ask Pharisees. La plupart d'entre nous, Pharisees. I believe most of us here. Nous avons été des catholiques. We've been Catholic, Protestant. Do not do what I'm doing. Faites ce que je vous dis. Do what I'm telling you. Mais comment est-ce que moi je vais dire à mon enfant? How can I tell to my child? Il ne faut pas boire. Do not drink. Quand moi je suis en train de boire. While I'm drinking. Je vais lui donner mon exemple. I will give him my example. Il ne faut pas boire. Do not drink. Tu vois, je suis plus âgé que toi. I am older than you. Je ne bois pas. I do not drink. Parce que c'est mauvais. Because it's bad. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que vous suivez. You need to know what you are following. Amen. Il dit, mais quelle est la différence entre nous qui avons la parole de Dieu et les autres personnes qui n'ont pas la parole? He said, what's the difference between we who have the word of God and those who doesn't have it? Et nous allons voir, ce sont des gens comme nous. And then we'll see we are the same. Ils ont faim comme nous. They are hungry like us. Ils ont soif comme nous. They are thirsty like us. Mais quelle est la différence? But what's the difference? Disons le prophète. Let's read the prophet. Au paragraphe 34. In the paragraph 84. Ces gens-là sont des personnes comme nous. Those people are people like we, like we are. Ces jeunes-là, là-bas, avec leur bolide qui circule partout dans les rues. Those kids out here with this old road running up and down the street. Qui se conduisent n'importe comment. Ils fument la cigarette et boivent de l'alcool. And carrying on the way they are, smoking cigarettes and drinking liquor. Les jeunes filles s'habillent de façon indécente et tout. And girls dress immorally and feasts. Ce sont des filles et des garçons comme nous. Them girls and boys like we are. Voyez, ce sont des humains. See, they are human. Ils aiment. They love. Ils mangent. They eat. Ils boivent. They drink. Ils dorment. They sleep. Ils respirent. They breathe. Ils devront mourir. They go to die. Ce sont des gens comme nous. They are people just like we are. 35. Ils sont possédés d'un mauvais esprit et ils ne le savent pas. They've been possessed of an evil spirit. They don't know. You see the difference. When we see the body, we are all the same. Mais ils sont possédés d'un mauvais esprit. But they are possessed of the evil spirit. Mais ils ne le savent pas. But they don't know. Amen. Ce n'est pas la faute de ces gens. Not because of the people. Mais parfois c'est parce qu'un certain conducteur qu'ils ont suivi les a conduits dans la mauvaise voie. But because sometimes some leaders that they've been following have led them in the wrong road. Amen. Un enfant qui naît dans un foyer. A child who was born in a family. Le papa est voleur. The father is a thief. Il est menteur. He's a liar. L'enfant va prendre ça. The child will copy that. Parce que quand quelqu'un vient chercher papa. Because if someone comes to seek to look the father. Le papa dit à l'enfant. And then the father tells the child. Dis-lui que je ne suis pas là. Tell him I'm not around. Et souvent les jeunes enfants. And sometimes the young children. Il va dire. They will say. Papa dit. Father said. Je veux dire qu'il n'est pas là. To tell you he's not around. Voyez comment vous formez l'enfant. You see the way you are. C'est pourquoi le prophète dit. You are preparing la vérité à l'enfant. Yeah, that's what the prophet said. Always tell the truth to the children. Ne racontez pas des mensonges. Do not say lies. Quand les enfants sont là. As the children are there. Si vous lui dites. If you tell them. À la semaine prochaine. Last the next week. Je vais vous acheter un pantalon. I will buy you a trousers. Il tient ça. And keep it in mind. Si la semaine prochaine vous lui achetez un pantalon. And if next week you buy him a trousers. Il dira ça, c'est papa. Then he will say, that's my father. Mais si la semaine prochaine, but if next week, vous venez me dire, you come and tell us, je vous achète un pantalon. Did I promise you, did I promise that I will buy you a pant? Il va avaler la première fois. He will swallow it for the first time. La deuxième fois, il peut avaler. And then the second time, he can swallow it. La troisième fois. And then the third time. Quand tu lui dis, non, vous savez, nous allons aller à Londres la semaine prochaine. You know, we'll go to London next week. Papa, vous dites vrai? Father, is that true?
il a déjà il a encaissé. Because he had enough. Et il sait que papa ne tient pas sa parole. And he knows that the father doesn't keep his word. Il dit toujours la vérité. Always say the truth. Donc vous voyez ces gens-là. You see them people. Ils sont comme nous. They are like us. Mais ils ont eu un mauvais conducteur. But they are the bad leaders. Ils ont conduit dans une mauvaise. Then led them to the wrong road. Mais vous les filles et les garçons, 36. Now, vous savez faire autrement. Now you girls and boys know better than that. Vous savez, vous avez été mieux enseignés. You know, you've been taught better. Vous avez des meilleurs parents. You go over to parents. Vous avez une éducation plus saine qui vous préserve de ces choses-là. Standard training that do a thing like that. Vous savez le faire. You know better. Donc les jeunes gens. Young people. Quand vous avez des chrétiens. When you have believers. Des parents chrétiens. Or a Christian parents. Vous devez les respecter. You need to respect them. Vous devez être très content. You need to be happy. Mais pas eux. Vous voyez, parce que les églises qu'ils fréquentent sont des églises modernes, modernistes. But they don't see because the church that they are going to are modern churches, modernistic. Ils vivent pour le moment présent. And they just live for the day. Pour être plus populaire. To be more popular. Les mœurs deviennent vertus à leurs yeux. The moral become virtues to them. Comme je le disais. So as I said one time, dans une pièce de théâtre sur Sodome et Gomorrhe, in a play that I seen down here no long ago of Sodome and Gomorrah, il y avait cette femme possédée d'un esprit mauvais qui a dit à Lot, that this evil possessed woman said to Lot, ce que tu qualifies immoral, moi je l'appelle vertu. What you call immoral, I call virtue. Donc ces gens-là, them people, ce qui est mauvais, ça devient bien. What is wrong become good. Et le prophète nous le dit. And then the prophet says, le Dieu de cet âge moderne, the God of the evil, the God of evil age. Il nous dit, he says, nous vivons au jour de l'homme. We are living the day of the man. Où les œuvres des hommes sont exaltées. When the work of the man is glorified. Au-delà des œuvres de Dieu. Above the works of God. Et and le péché est légalisé. The sin is allowed. Maintenant c'est normal de pécher. Now it's normal to sin. Ça ne dérange personne. There is no any problem with it. C'est le jour. This is the day dans lequel nous vivons. That we are living in. Mais heureusement. But lucky. Nous avons une promesse. We have a promise. C'est pourquoi Dieu nous a donné le message. That's how God sent us a message. Mes frères, mes soeurs, my brothers and sisters, vous n'êtes pas ici par hasard. You are not here randomly. Et si vous remarquez bien, and if you notice really well, avant de venir, before to come here, le diable a mis les bâtons dans les roues. The devil puts a hindrance in your road. Pour que vous puissiez pas venir. So that you cannot come parce here. Que le diable, because the devil, il sait. He knows. Il sait que si vous allez à l'église, he knows that if you go to church, on va vous donner une parole d'encouragement. He will give you a word of encouragement. Ah, il va multiplier les obstacles. Or he will multiple obstacles. Peut-être c'est à ce moment-là. Maybe it is in that time. On va vous appeler pour aller travailler. They will call you to work. Pour que vous ne puissiez pas écouter ça. So that you cannot listen to it. Pourquoi le prophète nous dit? That's what the prophet says. Dans l'Éden de Satan. In the Eden of Satan. Il faut connaître Satan et toutes ses tactiques. You need to know Satan and all his tactics. Amen. Quand il a prêché, comment puis-je vaincre? When he preached, how can I overcome? Pour vaincre, il faut connaître. To overcome, you need to know your enemy. Tel que nous sommes ici. Like we are here. Si votre voisin, if your neighbor, est un assassin, he is a murderer. Si vous le connaissez, if you know him, il ne vous fera plus de mal. He won't do any bad to you. Mais tant que vous ne le connaissez pas, well, as long as you don't know him, il va vous détruire. He can destroy you. C'est comme ça qu'il faut connaître Satan. That's how we need to know Satan. La méthode de Satan, the method of Satan, c'est le doute. Is doubt. Amen. C'est ça Satan. Amen. That's Satan. Il va vous dire, est-ce que tout ce qu'il a lu là, c'est ça la parole? He's going to tell you, is that true what he read? Et le prophète donne un exemple. And then the prophet gave an example.
Satan sait bien. Satan knows well. Que quand vous êtes dans la parole de Dieu, when you are in the word of God, vous êtes invincible. You are invincible. Amen. Alors il fera tout. He will do everything pour vous faire douter. To make you doubt de votre arme. Of your arm. Quand il a prêché conflit entre Dieu et Satan, when he preached a conflict between Satan and God, God and Satan, il a dit, c'était au 62. Is it 61 or 62? 62. Il a dit, he said, Dieu a nous créé. God, by creating us, il savait que l'ennemi viendrait. He knew that the enemy will come. Alors, il devait nous équiper. He should equip us. Avec l'arme la plus forte. With a strongest arm. Parce qu'il savait que nous allions rencontrer l'ennemi. Because he knew that we should face the enemy. Nous a donné, and the arm that he gave us, c'était sa parole. It was his word. Satan, sachant ça, a certain knowing that, il va vous faire douter de la parole. And he will make you doubt the word. Et le prophète nous dit, and then the prophet says, voici vous lisez au paragraphe 66 dans ce message là. I believe if you read in the paragraph 66 in this message, he said, avec la parole de Dieu, with the word of God, vous allez vaincre Satan. You will overcome Satan. Partout, everywhere, et dans n'importe quelle circonstance. In all kinds of circumstances. Alors Satan viendra. And Satan will come pour vous faire douter, to make you doubt de votre arme, of your arm. Et le prophète dit, and then the prophet said, si vous avez un fusil, if you have a fusil, a gun, et quelqu'un a un weapon, et quelqu'un a un bâton, a stick. Normalement, vous avez le fusil, vous pouvez tuer celui qui a le bâton. Normally, as you have a gun, you can kill the one who has a stick. Mm. Mais si celui qui a le bâton, but if whom has the stick, il vous amène à croire, bring you to believe, que le fusil ne vaut rien. That the gun doesn't matter. Il viendra vous tuer avec le bâton. He will come and kill you with the stick. C'est ce que Satan fait. That's what Satan did. Il sait que tant que vous êtes dans la parole, he knows as long you are in the word, il ne peut rien faire. He cannot do anything. Alors il vous fait sortir. Then he will take, he will try to take it out. Et le prophète nous dit aussi. And then the prophet also says, je ne crois pas quand les gens disent, I do not believe what people say. Oh, Satan m'a eu, Satan m'a eu. Oh, Satan has overcome me, Satan has overcome me. Il dit non. He said no. Il vous dit dans Israël et l'Église, he said in the midst of Israel and the church, ne minimisez jamais la puissance de séduction de Satan. Do not underestimate the power of of Satan. Il vous fera croire que vous êtes chrétien quand vous l'êtes. He will try you to think you are Christian when you're not. Vous êtes chrétien, vous ferez dire non, vous n'êtes pas chrétien. You are Christian, he will let you, will try make you understand that you are not. Un exemple. An example. Vous vous fâchez. When you get angry. Vous vous ressaisissez. And then you go back to your sins. Satan viendra. Then Satan will come and tell you. Vous êtes fâché. You've been angry. That's it. Vous ne pouvez pas être sauvé. You cannot be saved. Mais nous nous répandons chaque jour. But we repent every day. Quand vous demandez, vous répandez. When you ask and you repent, sûr, be sure and certain que Dieu vous a pardonné. That God has granted your prayer. Mais Satan viendra. But Satan will come and tell you. Si vous voyez réellement, do you really believe? Est-ce que vous voyez réellement? Do you really believe? C'est ça, Satan. That's Satan. Alors quand on commence à douter, when you start to doubt, ce péché revient. Then that sin comes back. Mm. Comme il l'a dit, and as he said, quand on prie pour vous, when they pray for you, vous voyez que vous êtes guéri. Do believe that you are healed. Sinon votre doute ramènera la. Otherwise your doubt will bring back the illness. Donc nous devons connaître Satan. That's why we need to know Satan. His tactics. Vous faire douter de la parole. To make you doubt from to doubt the word, he will come and tell you que Dieu n'a pas envoyé le prophète. God hasn't sent the prophet. Est-ce que vous croyez que réellement, do you really believe? C'est seulement ce qu'il a dit. That's only what he said. Mais moi, je suis de ceux qui croient. I am one of those who believe que tout ce qu'il a dit, that everything he said, c'est ce qu'il nous faut. That's what we need. Parce que Romains 3:4, because Romans 3:4 said, seul Dieu est vrai. Only God is true. La parole de l'homme, the word of man, est un mensonge. He is a lie. Vous croyez à ça? Do you believe it? Vous croyez à ça? Do you believe it? Parce qu'il l'a dit. Because he said it. Amen. Si vous le respectez lui-même. If you only respect him. Nous voyons dans la vie du prophète. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. We've seen in the life of prophet. We don't have enough time. We don't have enough time in the life of prophet. On a vu des gens. We saw people. Seulement par le respect. Only by respect. Amen. Il
Ils étaient guéris. Amen. Healed. Ils avaient ce qu'ils avaient. They received what they wanted. Une fois. Once. Son fils Billy Paul. His son Billy Paul. Il avait porté un pardessus. Le prophète. He had a coat. Alors le fils a dit, ah, papa, ça c'est quoi encore? And then his son told him, father, who it is? Billy Paul dit. Billy Paul said. Son père n'a rien dit. His father said nothing. Il est parti. He went. Il est allé prier. He went to pray. Il est revenu. And when he came back. Plus tard, il a dit. Later on, and he said. Vous savez pourquoi je suis parti? You know why I went? L'ange du Seigneur était. The angel of the Lord was there. Il t'aurait tué. He could have killed you. Sur le champ. In the field. Vous connaissez l'histoire. You know the story. 300 prédicateurs à Chicago. You know the story of 300 preachers in Chicago. Et le prophète nous dit. And then the prophet says. Si l'un de ces prédicateurs avait osé. If one of them preachers tried. Il serait mort. Then he would have been killed. Donc il faut faire attention. You need to be careful. Prenez sa femme. Let's take example of his wife. Meda. Meda. Il dit au prophète. He said to the prophet. Occupe-toi de Joseph. Il fait trop de bruit. Look after Joseph. He's making noise. Et le papa dit non. Then the prophet said no. Meda. Meda. Claque la porte. Va. She left and then banged the door. Le prophète va dehors. And then the prophet went outside. Dieu lui dit. And the prophet, God tell him. Va lui dire. Go and tell him. Release. To read. Le prophète revient. The prophets come back Meda, and then say, Meda. J'ai une parole de la part du Seigneur. I have a word from the God. From la God. Femme le respectait. And as his wife was respecting him, voilà. She listened. He said, et vous savez, le prophète a prié plusieurs jours. You know, the prophets prayed so many mon times. Seigneur, oh Lord, cette femme a toujours été fidèle. His wife has been faithful. Why, elle a eu même des cheveux blonds. Even that's the reason why he had white hair even before. Et dit, c'était entre le public et moi. He said it was between the public and I. Prié, prié. He prayed and prayed. La maladie était restée. The sickness remained. Et si on le regarde, and if you look at her, c'était son mari. It was his husband. N'est-ce pas? Mm-hmm. Et c'est une attitude normale it d'une is maman. A normal attitude from a mother. Il demande à papa de punir l'enfant. Asking the father to punish et the child. Refuse. And the father refused. Maman peut s'emporter. And the mother can go over his temperature. C'était son mari. It was his mais à ce moment-là, le so moment, Dieu a dit que c'était le son prophète. God saying it was Amen. His prophet. Pourquoi nous devons faire attention? That's why we need to be careful. Et nous savons que. And then we know. Bien qu'elle ait eu cette tumeur. Even though she had that tumor. Elle n'a pas été opérée. Or the tumor, she wasn't operated. She didn't have any surgery. The prophet kept praying. Jusqu'à la veille de l'opération. Until the day of the operation. One day before of the surgery. Parle. God says, speak. La même parole. The same word. Qui avait créé les écureuils. That created scrolls. Ce n'était pas l'homme Branham. It wasn't a man Branham. Il nous dit lui-même. He said himself. C'était les paroles créatrices de Dieu. It was a creator word from God. Sous les lèvres humaines. From the lips of a man. Il dit. He says, speak. Je ne voudrais pas. I don't want. Je le passe. That was yes, to go through surgery. Et vous connaissez l'histoire? Know the story. Le jour où on l'a même amené sur le lit d'opération. They brought her to the bed of surgery. They put everything ready. But when the doctor came, he looked. C'était pas sur votre côté. He said it was in this place. De l'autre côté. Then check the other side. Et c'était parti. Next was gone. Tout ça c'est pour vous dire. Everything, all this is to tell you. Dieu ne veut pas qu'on séjourne de ses serviteurs. God wants us to pray with, to play with his servants. Même un simple pasteur. A simple pastor. Il ne faut pas l'humilier. You don't have to humiliate. Vous avez un problème. If you have a problem, allez le voir. Go and see him. Vous lui parlez. Speak to him. Faut pas aller. Parce que le prophète nous dit dans Hébreux chapitre 7 quand il a prêché. The prophet says in Hebrews chapter 7 when he preached. Quand vous parlez du mal de votre pasteur. When you speak bad against your pastor. C'est comme si vous l'avez poignardé. It's like you have killed him. C'est un homme. Stab him. Amen. Il y a quelque chose que he is a man. Pas. There is something that you don't understand. Allez le voir. Go and see him. Vous parlez, vous dites voilà. Speak to him. You see this is this and that. La même chose avec nous.
The same thing with all of us. Le discernement du corps de Christ. The discernment of the body of Christ. Le corps de Christ, ce sont les croyants. The Amen. Body of Christ is the believers. Vous ne pouvez pas venir ici. You cannot come here. Vous êtes en train de dédaigner votre frère, votre soeur. Or you are underestimating your brother or your sister. Dieu ne va pas vous écouter. God cannot grant you praise. Parce que Jésus a dit aux apôtres. Or Jesus said to the apostles. Quand tu leur demandais, enseigne-nous de prier. When they ask him, teach us how to pray. Pardonne nos offenses. Say, forgive our sins. Comme nous pardonnons. As also forgive à ceux qui nous ont offensés. To those who offended us. Mais si vous n'avez pardonné à personne, if you haven't forget and forgive anyone, Dieu ne va pas vous pardonner. God will never forgive you. Amen. Ok, on peut passer au deuxième point. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. You build your personality when you're young. We are going to finish. Disons d'abord 44 et 45. In the paragraph 44-45. Viens, viens suivre moi. Come follow me. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus, Jésus-Christ, se font avant l'âge de 21 ans. Amen. Do you know what? 86% of the conversion to Jesus Christ is done before 21 years old. Mm. Ça c'est le prophète qui l'a dit. This is the prophet who said. Parce que quand je le disais, when I was saying it, you can say tout ça vient. Where is coming from? C'est hier là. It's here. Amen. Je vais vous dire aussi autre chose. I'm also going to tell you something else. Amen. Vous savez quand les enfants d'Israël ont vu au rocher. You know when the children of Israel drank from the rock. Oh, you know the song, I want to speak to the rock. They only told us that they drank. Ils ont bu les animaux. They drank and the animals. Mais il a fallu un prophète. But they needed a prophet. Vous venez nous dire. To come and tell us. Quelle était la quantité d'eau qui sortait. What was the quantity of the water that was coming out? Listen. Prenez. Take. Une délivrance. A deliverance. C'est un message de 54. It is a message preached around 1954. In the paragraph 184 and 86. Il dit, he says, cette eau qui sortait, the water that was coming out, c'était, it was 40,000 gallons. 40,000 gallons. Par minute. By per minute. Amen. 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 I'm going to give you the reference. So, because we don't have time, you can read it. La rédemption dans la totalité. Redemption by totality. Paragraph 84-86. It was preached in 1954. He says, parce qu'il a, le prophète il a vu dans un musée. The prophet said he saw in a museum. Un trait d'eau. They put a comment ça pouvait tiny bout of water. Comment est-ce qu'on pouvait parce qu'il y avait 2 millions. Because there were 2,000 of people et les animaux. And animals. Il dit 40,000 gallons. He said 40,000 gallons. Un gallon c'est gallon américain, ça peut être 3,7. Litre. Gallon in American is 3.7 liters. C'est à peu près presque 120-130 000 litres par minute. It's almost 130 liters per minute. Et c'est pourquoi. That's why. Le prophète est à un niveau. The prophet is on a level. Amen, 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 amen. Amen. Il est à un niveau élevé. He is in the highest level. Et il vient nous dire. He comments on us. Quand Moïse et Jeannès et Jambres étaient devant Pharaon. When Jeannès and Jambres were in front of Pharaon. Ici nous lisons. Here we read. Moïse a jeté le bâton. Moses threw the stick. Les autres ont jeté leur bâton. And the others they threw them as well. Le bâton de Moïse a avalé. The stick of Moses swallowed the stick. Mais le prophète vient. Then the prophet comes and says,
Le bâton de Jannès et de Jambres. The stick of Jannès and Jambres. Qu'est-ce que ça représentait? Where were they representing? Le ciel et la terre. The heaven and the earth. Passeront. Will pass. Yes, sir. Mais la parole. Or the word. Parce que c'était le bâton. Before the stick in the hand of Moses. Ne passera pas. Will never pass. Pourquoi ça devrait être un berger? Because it should be the shepherd. C'est un message de 64 décembre. His message preached in 64 December. Première page, paragraphe 143. Paragraph 144, 145. You see the prophet. He tells you. Ça c'est le prophète. This is the prophet. C'est pas moi. It is not me. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas une nouvelle révélation. That's why I told you I don't have a new revelation. I only repeat, repeating. Le temps passe. Time is gone. I'm going to finish. Pour vous montrer la différence du prophète. Just to show the difference of the prophet in us. Vous avez le jeune homme qui était aveugle dans Jean 9. The young man that was born blind in John 9. Quand vous lisez. When you read it. Il y a eu des pharisiens qui sont venus l'embêter. There were Pharisees that came to serve him. Comment tu vois? He said, how do you see? Il dit, oh non mais. He says, oh non. L'homme qu'on appelle Jésus. The man that they call Jesus. Et le prophète il vient nous donner une précision. And then the prophet come and give us a precision. Entre le temps que Jésus a ouvert ses yeux. And then between the time that Jesus opened his eyes. Et le temps que les pharisiens sont arrivés. And then the time that the Pharisees came. C'était 30 minutes. It was 30 minutes. Take inside with Jesus. Prenez à la place de Jésus. C'est rangé côté de Jésus. It was preached in 1962. Allez là-bas, je vois paragraphe 55. Go there, I think he is in the paragraph 55, you will see it. C'est le prophète. It is the prophet. Nous sommes des hommes ordinaires. We are original people. Il est spécial. He is special. Quand il vous dit, that's why when he tells you, faites ceci. Do this. Vous devez respecter. You need to respect it. 86, paragraph 86. 45. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. You make yourself when you're young. Vous fixez vos objectifs, ce que vous projetez de faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. You set your ambition to what you want to do and what you are trying to achieve in life. Vous y réfléchissez. You think of it. Et en y réfléchissant naturellement. And as you think, of course, votre pensée, la chose qui se forme dans votre pensée, your mind is presented into your mind, est inspiré par quelque chose d'inconnu, by an unknown something, qui domine votre pensée, that dominates your mind. Et une fois que cela envahit votre pensée, and then when it becomes in your mind, alors vous prononcez la chose, then you speak it, déclarez que vous allez le faire, that you're going to do it. Ensuite, vos ambitions vous poussent à l'action. And then your ambition drive you to do it. Vous êtes jeune là. Like as you're young. Vous n'allez pas vous tenir un jour et dire non, je suis docteur. You are not going to stand there and say I am a doctor. Vous faites un choix. You make a choice. Vous allez étudier. You are going to study. Et à la fin, vous serez docteur. And at the end of the day, you become a doctor. Dernier point. The last point. La vie éternelle, the eternal life, ce n'est pas par héritage, is not by heritage, c'est Dieu, it is God. Nous pouvons lire le paragraphe 93 et on va terminer. We are going to read in the paragraph 92 and then we will finish. Mais il y a une chose, there is something, qui ne s'obtient pas par héritage. But there is one thing that you just don't inherit. Vous devez l'accepter. You've got to accept it. Cette chose, c'est la vie éternelle. That's eternal life. Et vous ne pouvez l'accepter qu'en suivant Jésus. And you will only do it. You will only do that by following Jesus. Par l'expérience de la nouvelle naissance. By the born again experience. Ne négligez pas cela. Don't neglect that. Mes frères et mes soeurs. My brothers and sisters. Nous sommes limités par le temps. We are limited by the time. Il y a beaucoup de choses. There are so Mais many things. Mais je crois que ce que nous avons vu. Well, I believe what we have seen. Ça peut nous servir. Amen. Help us. Amen. Si vous avez écouté quelque chose. If you heard something.
que le prophète n'a pas dit. That the prophet didn't say. Je suis là. I am here. Venez me voir. Come and see me. On va parler. We'll talk about it. Amen. 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 Je préfère répéter le prophète. I prefer to repeat the prophet. Ça, je n'ai aucune responsabilité. So that I don't have any responsibility. Est-ce que vous aimez le prophète? Do you love the prophet? Je vous encourage, mes frères et mes soeurs. I encourage you, my brothers and sisters. Aimez le prophète. Love the prophet. On doit poser la question. You ask him a question. Comment est-ce qu'on peut vraiment agrandir notre amour? How can we grow our love? Il dit. He said. Lisez la parole de Dieu chaque jour. Read the word of God every day. Et priez chaque jour. And pray every day. Satan viendra. Satan will come. Vous affaiblir. To make you weak. Vous lisez presque plus. You won't have time to read. Vous n'écoutez presque plus la parole de Dieu. You don't have time to listen to the word of God. You don't pray. La nuit, vous ne voulez plus vous lever pour prier. At night, you don't have time to stand and pray. Satan se joue de vous. Satan is playing with you. Mais si vous êtes constamment dans la parole de Dieu, but if you are constantly with the word of God, Satan ne fera rien. Satan will do nothing. Terminer. And to finish. Dans la fête des trompettes. In the feast of trumpets. Paragraphe 112. In the paragraph 112. Il faut être constamment dans la parole. He said you need to be constantly comme with ça, the word. Vous connaîtrez qui est votre mari. So that you will know who is your husband. La parole révélée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Everything that is from the world. Abandonner les richesses. Riches. Abandonner la popularité. Surrender popularity. Abandonner votre propre connaissance. Surrender your own knowledge. De suivre Jésus Christ. And follow Jesus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse Pasteur Kalamba. May Lord bless Pastor Kalamba. Amen. Nous n'allons pas tarder. We won't waste time. Parce que le temps est parti. Because time is gone. Nous avons commencé un peu retard. We started a bit late. Mais nous allons appeler le deuxième prédicateur immédiatement. We will call forth the second preacher. Pendant que nous chantons. While we are singing. À la croix. At the cross.